up guys, c'est Marvs, Marvin, Marvino, comme vous voulez. Anyways, bienvenue à Influence pour le 46e épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle soirée. C'est l'été, faites rentrer, fait chaud, fait beau, sortez vos maillots. Épisode 46, il y a trois règles à suivre avant de commencer l'épisode. Première règle, si tu es en bas de 13 ans, avertis tes parents, tu regardes l'épisode présentement parce que, you know, faut quand même avertir les parents. Deuxième règle, ne pas mettre de données confidentielles, ne pas mettre ton numéro d'assurance sociale, rien mettre ton email, il n'y a pas de chat game qui se donne ici, ça va être pour une autre fois. Et voilà. Troisième règle, le respect dans les commentaires. Restez respectueux, on vous aime, vous les aimez. Alléluia, que Dieu soit glorifié. So guys, je vous laisse pour la suite de l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce segment spécial. Mélange de quoi? De conseils du futur, de questions existentielles, on sait pas trop. On a décidé de se réunir les trois ensemble. J'étais avec Véro et David. What's up, guys? What up? Je viens de remarquer comme quoi, moi, mon nom en dessous, c'est écrit Marie-Lou et Stéphane. Toi, c'est juste écrit Véronica. Mais moi, il y a juste moi, puis vous deux, il y a vous deux. C'est drôle, la love. C'est OK, parce que chacun représente l'autre de toute façon. Like, exactement, la vie. Vous pouvez m'appeler Véronica, c'est correct. C'est bon, j'aime ça. Non, on a décidé de prendre un temps aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qu'on trouve que c'est pertinent de vous parler, puis c'est à propos des jobs, à propos des emplois. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, peu importe, puis vous allez arriver à votre première expérience de travail. De là de ça, aller porter son CV, trouver un job et tout. On s'est dit que les trois prendraient un temps ensemble, simplement pour parler du sujet, vous parler un petit peu de notre expérience, puis vous donner des trucs un peu pratiques, je pense, qui vont vous aider à vous assurer de vous trouver une job. Right? Yes. Yes. Love it. Écoute, moi, je peux commencer. Moi, ma première job, vous voyez comme ça, ma première job, moi, j'ai commencé à travailler au McDonald's. Pourquoi j'ai commencé à travailler au McDo? Ma soeur travaillait au McDo. Fait que, I love it. j'ai commencé à travailler au McDo, ma soeur travaillait au McDo. Puis, par son contact, j'ai réussi à rentrer. Yes! D'ailleurs, premier truc, s'il y en a qui prennent des notes, checkez dans vos contacts! Qui peut être la plug? Exactement, qui peut être ta plug pour te faire rentrer? Tu connais un ami, tu as un grand frère, grande soeur, cousin? Ta mère peut-être! Ta mère peut-être! David va vouloir en parler plus en détail. Mais l'important, c'est tu checkes dans ton réseau puis tu peux trouver une job. Moi, ma première job, c'était McDo. Puis avant que je trouve, juste pour vous donner une idée, là, avant que je trouve ma job aujourd'hui que je fais, j'ai eu mes études, j'ai eu plein de choses, mais j'ai fait un total d'à peu près 7 jobs. Ça pour vous dire comme quoi, ben, ça fait partie de ton expérience, ça fait partie de ton apprentissage. Puis chacun des emplois, des petites job-in que j'ai eues, des jobs d'été ou des jobs à plus long terme, ben ça a été des acquis. J'ai appris des choses là-dedans qui m'ont aidé et qui m'ont formé. Yeah. Fait que, ouais, je sais pas si vous voulez partager sur vos premières jobs, c'était quoi? Moi, ma première job, j'ai commencé dans un camp de jour. Fait que c'est un job plus d'été. Puis après, j'ai passé de, je pense, du camp de jour à la belle province. Après la belle province, j'ai travaillé environ 2 ans dans chaque job que j'ai eu. Moi aussi, j'en ai eu comme, pas 7, mais je pense que j'en ai eu comme 4-5. Puis j'ai fait de la belle peau pendant quasiment 2 ans. J'ai fait coach. Wow! Wow, ça c'est old. Okay. Attends.
Avant, entre le Canjo et la Belle Province, j'ai été arbitre au soccer pendant un été, mais moi je ne comprends que dalle du soccer. Fait qu'imagine, c'est quoi ce travail-là? Bref, c'était. Bon, Véro, elle faisait des. Puis là. Tu comprends pas, je me fie aux parents dans les estrades. Oh, wow, ok, t'étais ce genre d'arbitre. C'était pas un bon travail, ça a duré une saison, puis j'ai fait non. Après, c'est ça, la Belle Province, après ça, j'ai travaillé comme coach de gymnastique, puis j'ai jamais fait de gymnastique. Mais c'est un bon travail, je le faisais bien, j'ai appris mes petites affaires, là, tu sais. Puis après, j'ai travaillé dans une boutique de robes de mariée, puis après ça, I think that's it, je pense, jusqu'à temps que je me suis trouvé mes emplois comme éducatrice spécialisée. Elle a travaillé dans une clinique où ce que moi je travaillais. Right, c'est vrai, j'avais oublié ça, je travaillais au Gré chez Scat pour Lunette, en tout cas, des petites jobs, mais comme les gros, là. Finalement, t'en as quand même beaucoup. Ouais, j'avoue, c'est ça, j'avais oublié. Et moi, j'ai travaillé, premier job au Dairy Queen, que c'est un contact fait par ma mère. You know? Ma mère est arrivée, comme mes enfants doivent travailler, je sais pas. Puis, fait qu'elle a fait rentrer ma soeur, ma grande soeur et moi. On est rentrés en même temps. Les deux. Puis ensuite, j'ai travaillé dans un genre de réfrigérateur de boucher. Je faisais des brochettes toute la journée. Wow. Fait que 8 heures de brochettes. Non, c'était au Adonis. Ah. À Laval. Ensuite, Domino's Pizza. Ensuite, j'ai été portier durant une saison de temps des fêtes. J'ouvrais des portes. That's it. Et à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital comme étudiant. Fait que ça ressemble un peu à ça. Quel parcours? Hello, vite. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est quand tu prends le temps de penser à l'âge qu'on est rendu aujourd'hui. En tout cas, on dirait que tu t'en rends pas compte sur le moment, puis après, tu fais comme « Oh my God, c'est vrai, j'ai fait ça, puis c'est right. Une belle d'acquis. » Yeah! Donc, ouais. Que, je pense que c'est un peu ça aussi qu'on veut vous dire, tout le monde qui écoute, là, c'est que quand vous sentez que vous êtes rendu à l'âge, puis naturellement, peut-être vérifier avec vos parents, puis tout, s'ils sont d'accord de commencer à travailler, ben go for it, c'est des belles expériences puis tout, puis ça va vous donner un petit peu d'argent de poche, puis je pense que tu grandis beaucoup par rapport à ta première expérience quand que tu commences à avoir un employeur, quand tu as un boss. Yeah. C'est un nouveau type de relation, là. Ça c'est un nouveau type de relation. Tu sais, on s'entend, on a nos parents qui ont une autorité dans nos vies, nos enseignants, s'il y en a qui font du sport, un coach, tout ça qui a une autorité dans ta vie, mais là quand tu commences à travailler, t'as cette nouvelle relation qui commence, employé, employeur. Tu sais, moi, je me rappelle au McDo, ben, c'est quand même drôle parce que moi, au McDo, ma sœur était chef de corps. Fait que ça a déjà été comme mon boss un peu. Hein? Ma sœur était mon boss. Mais sinon, là-bas, il y avait un assistant gérant. Comment il s'appelle? Gaël. Gaël qui s'appelait? Parce que peu importe, c'est un français. Puis son accent me faisait mourir. Mais c'est ça, en tout cas, c'était des premières expériences puis tout. Puis même moi, d'ailleurs, bon, OK, j'ai travaillé là, j'ai travaillé un été à la ronde. Après ça, je suis rentré au Cinéparc, au Boucherville. Je suis rentré au Super Club Vidéotron. Puis j'ai coaché au foot. J'ai été tuteur à l'université, mais ça, c'est plus tard. Hein. Mais tu sais, de là, tout ça pour dire que quand j'étais au Cinéparc, j'ai tellement bien fait ma job que ça m'a ouvert des portes pour devenir gérant au cinéma. Fait que je suis passé d'employé à, pas employeur, mais je suis passé du bas niveau au haut niveau là, que j'étais rendu gérant. Ouais. Fait que tu sais jamais ce que tes petites jobines, moi c'est ça que je veux dire un peu, que tes petites jobines peuvent t'amener. Yeah. Fait que, bon, en tout cas, je parle pour tout le monde, là, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on vous encourage à, si vous êtes rendu là dans votre vie, de prendre l'opportunité de vous chercher une job, de commencer à travailler, ça va être des belles expériences. Ouais. Ouais, puis surtout parce qu'on va commencer au salaire minimum, puis c'est totalement correct. Cherchez pas à,
à trouver la job la plus payante parce que potentiellement, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas nécessairement tous les acquis pour le faire. Puis c'est correct. De toute façon, vous êtes dans votre propre cheminement ou est-ce que vous êtes dans vos études, éventuellement, vous allez prendre le temps de faire vos études pour votre carrière. Puis rendu là, vous aurez la job de vos rêves, tu comprends? La job qui va être non seulement payante, mais qui va être satisfactory, genre, comme dans... Satisfaisant. Exact, satisfaisant. Mais tu sais, entre-temps, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'entre-temps, c'est une bonne chose de travailler parce que ça nous apporte des nouveaux acquis, ça nous enseigne de nouvelles choses. Ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise, ça fait créer des nouvelles relations. Hey, on ne sait jamais le nombre de personnes avec qui tu peux parler de Jésus pendant que tu es en train de travailler, you know. Puis, en tout cas, juste, c'est vraiment une bonne chose. Ça nous fait vraiment grandir. Entre-temps que tu as le travail, tu comprends, que Dieu veut pour toi. Puis, tu sais, entre-temps, c'est pas obligé d'être un gros travail super payant. L'important, c'est que tu fasses quelque chose qui t'arrange dans le moment, tu comprends? Absolument. Yep. Les besoins sont différents, là. Oui, absolument, si tu as la chance de faire un salaire qui paye plus que l'autre, puis c'est possible pour toi, vas-y, on dit pas de négliger le salaire minimum, mais refuse pas un salaire minimum, c'est ça que je veux dire. Puis refuse pas une job que, tu vas devoir nettoyer. Hey, moi, au McDo, là, j'en ai nettoyé de la scrap puis tout, puis c'était pas nice, là. J'ai nettoyé des affaires, là, en tout cas, peu importe. Et quand j'ai travaillé au Cirque, là, j'en ai nettoyé des affaires dégueulasses puis tout. J'ai fait des jobs qui étaient moins le fun, mais ça faisait partie de mon expérience, puis c'est ça qui m'a amené à avoir des jobs de mieux en mieux, puis qui a travaillé aussi mon caractère. Puis là, t'en parles, Véro, autant de pouvoir peut-être parler de Christ à d'autres personnes, de rencontrer des nouveaux mondes, puis vous savez jamais ce que Dieu peut vous utiliser de telle façon, mais aussi, Dieu veut utiliser des jobs pour travailler votre caractère. That's it, exact. Des jobs pour vous transformer, vous rapprocher de lui, puis vous faire saisir des nouvelles affaires. Hey, quand tu dois travailler là, un samedi, que c'est une convention, puis que tu as la fièvre, mais faut que tu te présentes travailler quand même, ça travaille ton caractère. Ça travaille ton caractère. Mais c'est ça. Ça travaille tout. Exactement, mais David l'a bien dit, ça te responsabilise. Moi, en tout cas, quand t'es au secondaire, t'as hâte d'être vieux, mais avoir une job d'été, ça fait partie d'être vieux. Exact. C'est de commencer à faire de l'argent, puis de commencer potentiellement à faire des budgets, puis tout. Mais en tout cas, fait que nous, on veut vous encourager, puis de là, je pense que chacun veut prendre le temps de vous donner un petit conseil par rapport à qu'est-ce qui est important. Quand tu cherches un emploi, mais mettons que tu te présentes, une entrevue ou ton CV et tout. Chacun, je pense qu'on a quelque chose qu'on aimerait vous dire. Je vais commencer. Moi, c'est quelque chose que je veux vraiment, les jeunes, écoutez-moi, quand vous allez commencer un emploi, je suis totalement d'accord qu'avec tes amis, entre amis, vous parlez d'une certaine façon, mais au moment de te présenter avec un employeur dans une job, il faut que tu aies une switch de professionnalisme parce que ton parler devient un parler très propre. T'es plus comme hey, check moi ça, puis tu peux dire oui, c'est correct. Tu peux dire oui, merci, bonjour, enchanté. Like ça, même si maintenant on parle très familier, quand il travaille, David est très professionnel. Exact. Puis tu sais, c'est important parce que ça va vous suivre, parce que vous voulez pas mal parler rendu à votre profession, puis comme. Il y a comme un médecin qui dit « Ah, ben check tes résultats », t'es comme « Wow! » Fait que juste faites attention à votre parler, apprenez à bien parler parce que c'est important pour votre futur. Mais même si c'est votre premier job et que ça ne paye pas beaucoup, peu importe, ou même si ça paye beaucoup, ça ne dérange pas, parler bien. Même avec des collègues qui sont du même âge, quand vous commencez, parlez bien, puis à un moment donné, ça va devenir familier, puis c'est correct. Ouais. Et tout commence dans le CV. Fait que, s'il vous plaît, vérifiez vos fautes. Quand la personne se demande c'est quelle langue il est en train de lire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que tu peux demander à tes amis, un grand frère, tes oncles, tes tantes, peu importe, n'importe ton qui. Ton leader aussi. Ton leader aussi de vérifier, de te conseiller. Fait que ça, c'est mon conseil, parlez bien. Mais c'est vrai. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, là, j'étais gérant au cinéma, puis j'en ai passé des entrevues, et j'en ai vu des CV aussi. Puis effectivement, je peux vous dire que quand tu prends un CV, t'es capable de compter plus de 10 fautes, t'appelles pas la personne.
Parce que ça me dit que la personne n'a pas pris le temps de se checker. Une faute ou deux, ça arrive à tout le monde. Mais quand il y a plus de 10 fautes dans un CV, c'est parce que la personne n'a pas pris le temps de bien prendre le temps de se préparer ou de demander à quelqu'un de le vérifier. Donc, à un moment donné, ça dit beaucoup. Ouais, c'est ça dit beaucoup. Si tu ne te fasses pas pour ton CV, tu ne te fasseras pas pour ton travail. C'est basically ça que le gérant dit, je pense. C'est ça, exactement. Puis, de la même façon, quand tu es en entrevue, personne qui arrive puis que « Hey, yo, what's up? » Moi, je me suis déjà fait dire ça. J'ai fait « Hey, yo, what's up? » J'aime ça, wow. j'aime ça. J'ai juste dit ça. Je me dis « OK. Toi, tu voulais travailler ici, c'est ça? Yeah, j'ai envie, yo. » Je suis comme « Bon. On check ça, puis on te rappelle. » J'ai dit « Ça va, ma fille? » On check ça, puis on te rappelle. Dans mes oreilles. Non, mais c'est ça. Tout le monde sait qu'on parle familier. C'est correct, là. Ouais. Et quand tu arrives, comme David l'a très bien dit, quand tu arrives dans un milieu professionnel, c'est juste de pas commencer, je sais pas moi, à élaborer des phrases compliquées. C'est juste de parler, mais avec une certaine... De soigner notre langage. Et si vous rencontrez un gérant, vous voyez-le. Yes, vous voyez, s'il vous plaît. Donc, là, on est en temps de COVID, mais en temps normal, shake the hand. Ouais, c'est sûr aussi, là. Mais absolument. J'approuve le point en tant qu'ancien gérant. Yes! Moi, ce que je voulais à rajouter, c'est tout ce qui est apparence. T'sais, c'est sûr que c'est important, l'image que tu vas donner quand tu vas te présenter en entrevue, mais même dans ton CV, encore une fois, que juste la mise en page, ton CV, il y a de l'air visuellement beau et que les informations pertinentes soient faciles d'accéder. Tu sais, quand toutes les lettres sont comme collées, ça donne pas envie de lire, tu comprends? Quand il y a trop d'affaires, le gérant, il va juste faire « Ah non, compliqué! » Ben, tu comprends? Fait que pour que ce soit simple, pour que ce soit facile de lire, pour que ce soit bien structuré, il faut pas que ce soit tout sur le côté gauche, là, pour que ce soit justifié. Que, l'apparence du CV est très importante. Ça aussi, tu peux le faire vérifier par ton leader, tu peux le faire vérifier par ton grand frère, ta grande soeur, ton parent, peu importe, pour vérifier que ça soit... Il y a des templates en ligne, des exemples d'échantillons. Ouais, il y a des exemples possibles que tu peux prendre directement sur Word, des templates, des pages déjà suggérées. Exact. Puis, il y a toujours les vérifier de toute façon aussi après, là, juste vérifier que tout soit... cohérent et beau. Et même dans l'entrevue, c'est sûr que c'est une entrevue, c'est un travail. Tu te présentes comme candidat. Donc, tu veux te présenter comme « Hey, je suis ta meilleure option. » Ben, si je suis ta meilleure option et que tu dois m'engager moi, ben, il faut que tu te présentes en ayant de l'air professionnel. T'sais. Fait que je veux dire, il faut pas que tu te présentes comme si tu allais à l'école. Là, t'sais. C'est sûr que ça va dépendre du travail que tu choisis. Tu peux pas te présenter habillé extra chic si tu veux travailler dans un Subway, mais tu dois quand même te présenter de façon propre. T'sais? Fait que fais attention à ce que tu choisis. Petite chemise avec un pantalon propre, exactement. Puis, je pense les souliers, mettons comme des Vans, puis tout ça, c'est correct. Là. C'est pas mauvais, je pense. C'est pas pour les des. Ben, va pas en Jordan non plus, genre. Non, exact. D'habitude, un soulier comme... Un soulier neutre, mettons. Neutre, une couleur, blanc ou noir, exactement. Ça serait... Blanc, noir, là, choisis ces couleurs-là. Puis, c'est ça, juste que ça soit propre. Prends ta douche. Ouais. Brosse tes dents. Lave tes cheveux. Oh my God, les filles, là, c'est pas la journée pour mettre du dry shampoo. Non, non, c'est la journée pour que tu laves tes cheveux for real, tu comprends? Les ongles, oh mon Dieu, les ongles. Les ongles. Faut pas qu'il y ait plein de petits vernis bizarres, là, qui, comme tout finit ton vernis, là, non. T'sais, apparence soignée, CV soigné, les gars, coupez-vous les ongles, s'il vous plaît. Like, faut pas donner des vibes bizarres. Coupez les ongles propres. Tu veux bien te présenter. Yes. Voilà. Non, voilà. Mais absolument. Puis, dans mesure du possible, on s'entend. Là. Je pense que vous l'avez bien dit. Bon, surtout, mettons l'exemple des souliers. Tu viens pas en sandales avec des bas. C'est surtout ça. Là, non, mais c'est vrai. Là, je l'ai déjà vu. Fait que, c'est ça. Oh, wow. Non, mais tu sais, tantôt, Véro, t'as parlé d'école.
Puis, bon, je ne sais pas si vous avez un uniforme ou peu importe, mais tu sais, à l'école, il y a quand même des règles de vie dans le sens que les jupes, il ne faut pas qu'elles soient trop courtes. Faut pas que les shorts soient trop courtes non plus. Faut pas que. Fait qu'essayer d'avoir un gros bon sens de la façon que tu es habillé. Effectivement, essaie de choisir des couleurs qui sont neutres. Puis, quand tu te présentes, un beau sourire. Bon, c'est sûr que l'on a des masques, hein, mais ris pareil en dessous de ton masque. Souris avec tes yeux. Ouais, c'est ça. Puis, juste dans ta façon d'être aussi, autant que la façon que tu es habillé, mais la façon que tu t'installes. Tu sais, moi, j'ai déjà eu quelqu'un en entrevue, il s'assoit, puis il s'assoit comme ça sur la chaise, tu sais. Wow. Moi, ça me dit quoi? Moi, ça me dit, OK, t'as pas vraiment envie d'être là, tu sais. Je te dis pas de t'asseoir pour d'être poigné, mais je te dis, assis-toi comme. Tu peux avoir le droit d'être présentable. Une bonne posture. Une bonne posture, ouais. Dans le fond, là, je pense que l'important, c'est de juste dire, sois intentionnel dans ce que tu fais. Pense à ce que tu es en train de faire. T'sais. Pense à me tenir droit, sourire, vous voyez, bien parler. Si tu penses à toutes ces affaires-là, moi, ça va me montrer que, en tout cas, moi, je l'ai vécu, moi, ça me montrait que la personne est en train d'y penser en ce moment, elle va être capable d'y penser quand elle va travailler. C'est ça qu'on raconte. Mais si tu me dis que même en entrevue, tu n'es pas capable de le faire et d'y penser, je le sais que tu ne le feras pas dans ta job. Puis moi, je sais, en tant que gérant, en tant que responsable, ben, je ne veux pas que ça représente mon employeur pour qui je travaille. Vraiment pas. Donc, c'est ça. Fait. Mais, écoutez, là, je vois le temps qui file, ça fait longtemps qu'on parle et tout. Nous, ce qu'on a envie de vous dire, les trois, c'est allez-y fort, cherchez, faites des essais. Allez porter dans des CV à plein d'endroits, puis tout, essayez-vous. Peut-être vous allez avoir des noms, peut-être vous n'allez pas avoir tout de suite de retour d'appel. Ça se peut, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. On vous encourage. Puis je pense qu'on peut se dire qu'on va faire une autre partie de ça, peut-être vous donner d'autres. Yes! Yes! Ouais. Quelque chose avant que j'oublie, guys, si vous envoyez plein de CV partout, rappelez-vous où vous avez envoyé votre CV. Parce que si quelqu'un vous appelle disant « Oui, bonjour, c'est telle place », puis t'es comme « Wow, c'est où, c'est qui, c'est... je m'en rappelle même pas ». Fait que faites un peu de recherche aussi où est-ce que vous allez appliquer, puis tu sais, ça va vous aider. Gardez-vous quand t'amènes ton CV, amène-le dans une pochette. Oh t'es yes, comme... pas plié en deux. Ouais. Donc, si t'es capable, essaie d'avoir juste comme un portfolio, donner une feuille. Yep. Exact. Prendre note, comme David il dit, de où est-ce que tu l'as nommé. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup le Indeed, puis aller postuler des CV en ligne, puis tout, ça fonctionne. Mais le CV papier que tu te déplaces, puis que tu vas déposer, ça parle beaucoup plus. Moi, je vous le confirme. Parce que ça prouve que tu es capable de te déplacer jusqu'à la job pour travailler ici. Ça parle beaucoup plus. On est beaucoup plus porté. En tout cas, moi, j'étais beaucoup plus porté. Puis l'entreprise que j'étais, était beaucoup plus porté à engager du monde qui venait porter leur CV directement en papier que plutôt par voie électronique. C'est la réalité. Yes. Définitivement, il faut qu'on fasse un part 2 parce qu'on aurait tellement de choses à vous partager, mais bon. Le temps file. Le temps file, exactement. Mais Stéphane, il va quasiment plus avoir de lumière de son côté. Exactement. Moi, j'y vois qu'il paraît de plus en plus. Que c'est une montagne, bro, quasiment. Mais ouais, fait que j'adore ça. Mais non, je pense que c'est ça. En terminant, c'est juste de vous dire, allez-y à fond. Puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander à grand frère, grande sœur, leader, parent pour vous aider. On a tous passé par là. On l'a tous dit. Yep. Moi, j'ai ma sœur qui m'a fait rentrer. David, c'était la môme, puis tout. Je suis parti. Quand Joe, tu connaissais quelqu'un, puis c'est là comme ça que tu es rentré. Fait que, On regarde alentour, on regarde qui on connaît, puis c'est de même qu'on va trouver nos premières expériences. C'est de même qu'on va aller chercher. Yes. Exact. Alléluia. Yes, sir. Fait que c'est tout, guys. God bless. Puis on se tient au courant pour la part 2. Oh, yeah. Yes. Come on. Ciao. Ciao. Salut tout le monde, moi c'est Jessie. Aujourd'hui, je vous présente le beat de la semaine. Oui, et le beat cette semaine est basé sur le film qu'on a regardé le vendredi passé à Influence TV. Pour ceux qui étaient là, on était en Zoom. On a regardé le film I Can Only Imagine. Donc aujourd'hui, moi je vous présente le titre de la chanson qui est I Can Only Imagine du groupe Mercy Me et qui a été écrit par Bart Miller. Donc, je vais vous faire un background de sa vie un peu. Donc, Bart Miller, quand il était jeune, il avait ses deux parents ensemble, mais son père
il abusait verbalement, émotionnellement et il frappait sa mère et il frappait lui. Un jour, sa mère a décidé de juste partir, donc elle est partie, elle l'a laissé avec son père et Bart, lui, il a juste grandi avec lui sous la violence qu'il était en train de subir. Ensuite, il était au secondaire, quand il a continué à grandir, il était au secondaire. Et au secondaire, il jouait au football, mais il s'est blessé, malheureusement. Il s'est blessé aux chevilles et après ça, il avait une belle carrière qui était comme définie pour lui, mais après ça, il ne pouvait même plus jouer. Donc, c'était triste. Mais il a commencé à jouer la chorale, je pourrais dire. Il a commencé à chanter dans une chorale, la chorale de l'école. Il a commencé à apprécier le chant, il a continué à chanter, nanani nanana. Et pendant tout ça, quand ça se passait, son père, il se retrouvait souvent à l'hôpital. Mais son père était en train de mentir et dire « Oh non, c'est pas si pire, nanana nanana. » Pendant tout ce temps, son père, il avait le cancer du pancréas, mais il ne voulait pas dire à son fils. Et lui, Bart, il a continué à grandir et il a créé son band. Et il a commencé à aller à faire plusieurs tournées et tout et tout. Et même quand il était jeune, il a rencontré sa femme au secondaire, qui l'a mariée jusqu'à aujourd'hui. Mais après le tour, après qu'il y ait eu une pause, il est retourné chez lui, chez son père. Et il était encore fâché contre lui parce qu'il avait beaucoup de rancune, il était fâché. Mais son père, lui, il avait déjà rencontré Jésus, il avait déjà pris le temps de se faire pardonner, de se repentir. Mais Bart, lui, il ne voulait pas accepter son pardon. Donc quand il a découvert que son père, finalement, il avait le cancer du pancréas, et que réellement, quand il disait qu'il voulait changer, qu'il voulait qu'il lui pardonne, ben, il l'a accepté dans son cœur. Il a dit, waouh, mais si Dieu peut réellement changer quelqu'un comme ça, alors moi je crois aussi que Dieu peut me changer et que ça peut faire une différence. Donc, lorsque son père est décédé, il avait son journal où il écrivait toujours des paroles. Il écrivait qu'est-ce qu'il inspirait, il écrivait tout ce qu'il voulait. Donc, il avait écrit dans son cahier « I can only imagine ». Et de là est partie l'inspiration pour la chanson « I can only imagine ». Donc, si on va dans les paroles de la chanson, il est en train en fait de parler de comment ce serait d'être au paradis. Comment c'est pour lui et son père là qui est déjà décédé et qui avait accepté Jésus dans son cœur, c'est pour lui au paradis. Comment c'est genre la splendeur, la grandeur, la gloire de Dieu au paradis. Il est juste en train de se demander, lui, sa réaction, ce serait quoi? Ce serait quoi de voir Jésus? Ce serait quoi de vivre dans la gloire de Dieu? Parce que c'est grand quand même. Donc, en fait, avec tout ça, avec l'histoire de Bart et la chanson « I can only imagine », moi, je pourrais vous édifier par rapport à l'importance du témoignage. L'importance de continuer même quand les choses sont difficiles. L'important de ne pas rester rancunier envers n'importe qui. Parce que si Dieu vous a pardonné, alors Dieu peut vous aider à pardonner les autres aussi. Et Dieu n'a pas fini pour vous. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans votre passé, il y a beaucoup de choses que vous avez faites que Dieu ne peut pas vous pardonner. Tous les péchés sont pardonnables. Même les péchés que vous pensez que c'est comme, ah non, Dieu ne pourra pas me pardonner, Dieu les pardonne. Dieu a pardonné un père qui était en train de frapper son enfant, et même l'enfant ne le pardonnait pas, mais si Dieu pardonne lui, il peut vous pardonner aussi. Et si Dieu l'a pardonné pour l'utiliser, même a inspiré pour faire une grande chanson là, qui a fait des hits partout, alors Dieu aussi peut vous utiliser, vous, à travers la transformation qu'il va faire à l'intérieur de vous, parce que Dieu, là, quand il renouvelle, c'est une transformation, donc. Ne vous inquiétez pas, Dieu fait la transformation dans votre vie, il vous utilise tel que vous êtes. Votre bagage là, du passé, Dieu n'est pas en train de le regarder et dire « Oh my God, t'as fait ça. » Non. Dieu vous pardonne, il vous prend comme vous êtes et va vous utiliser pour sa gloire. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit une autre fois. C'est la fin de l'épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si t'es encore là, championne, incroyable. On veut remercier nos pasteurs seniors pour le travail qu'ils nous laissent faire, pour l'opportunité qu'ils donnent à Influence de pouvoir faire l'épisode. On vous aime énormément, soyez bénis. Merci aussi à Pasteur Stéphane pour
tout ce qu'il fait. Incroyable. Quel pasteur incroyable. Guys, si vous cherchez un groupe connect, vous savez pas c'est quoi un groupe connect, c'est un groupe pour voyez, trouver des gens comme vous. Si maintenant t'es nouveau à l'église, t'es là, oh, tu vois, il me faudrait des gens un peu comme moi. On a la solution. Les groupes connect, si vous allez dans mc.gc.ca, vous allez se retrouver un connect. Vous allez voir la petite vidéo ici. Donc, vous connaissez, vous allez trouver à l'instant. So, merci encore d'être resté jusqu'ici. On vous dit à la semaine prochaine pour le Zoom d'influence. N'oubliez pas, 19h, le lien, le ID va être écrit juste ici. On se cache la semaine prochaine. Ciao! Vas-y, tu l'as. Nice, good job. Et what's up tout le monde? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mitchell. Puis aujourd'hui, on va faire appel à tous les joueurs de PlayStation du réseau Influence. Parce qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle, on a décidé de faire un groupe PlayStation. Puis dans ce groupe-là, tu vas pouvoir connecter puis jouer avec d'autres jeunes du réseau. Donc si ça t'intéresse, fais juste donner ton name tag à ton leader. Lui va pouvoir nous l'envoyer et par la suite, on va pouvoir t'ajouter au groupe puis commencer à jouer ensemble. Donc moi, je t'attends sur le jeu. Salut. Ouais, excuse-moi, j'avais une pause, mais je suis là.